Histoire d'île vous emmène en Malaisie, dans le sud-est asiatique. La Malaisie est une péninsule à laquelle s'ajoutent les états de Sarawak et de Sabah. Au nord de la péninsule, près de la frontière avec la Thaïlande, les îles Langkawi. Les 104 îles qui forment cet archipel sont les plus au nord de la Malaisie. Parmi elles, trois seulement sont habitées. Des falaises surmontées de forêts vierges plongent dans la mer et découpent des criques, des baies et des grottes inaccessibles. On comprend pourquoi ces îles servaient de repère aux pirates du détroit de Malacca. Dans l'île principale, appelée simplement Langkawi, les falaises laissent place à des plages et à des baies où les pêcheurs peuvent travailler sans risque. Le fruit de leur travail est mis en vente sur le marché de Kua, la capitale. L'île est principalement habitée par des Malais qui, dans leur grande majorité, sont de religion musulmane. L'île de Langkawi est aussi l'île d'où est originaire le premier ministre actuel de la Malaisie. Il veille sur elle et sur sa prospérité ainsi que sur son épanouissement économique. Tous les deux ans, sur cette petite île, est organisé l'un des plus grands marchés aéronautiques et militaires du monde. Avec un tel parrainage et une telle activité, il est donc peu surprenant de constater qu'un aéroport international a été construit à Langkawi. Tandis qu'une averse tropicale détrempe les pistes de l'aéroport, Jamal Ahmad, 42 ans, ingénieur de piste, rejoint son poste. Il travaille dans l'aéronautique depuis plus de 20 ans. Jamal doit effectuer ses premières vérifications dans le cockpit de l'avion. Hello, assalamu alaikum, baba. Baba. Ika okay? Okay. So far so good, ha? Saya suka kerja ni sebab memang saya suka benda-benda yang boleh terbang. J'aime bien ce travail parce que je suis passionné par les objets et les machines qui volent. Et plus particulièrement, celles qui volent par la force du vent. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Et je remercie Dieu car, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu d'accident. Jamal est passionné par les cerfs-volants depuis 20 ans. Il est champion de Malaisie et il a souvent pris ses avions qu'il connaît bien pour partir représenter son pays dans des compétitions internationales. Chaque jour, après le contrôle de son dernier avion, il rejoint son coin de paradis à quelques kilomètres de l'aéroport. Sur ce bord de plage, à Pantai Tanga, Jamal a bâti sa maison. C'est ici aussi qu'il fabrique ses cerfs-volants, des cerfs-volants traditionnels. Je suis en train de fabriquer un cerf-volant qu'on appelle aussi Wahoo. C'est ainsi qu'on l'appelle lorsqu'il est utilisé dans le nord-est de la péninsule de Malaisie. En règle générale, les cerfs-volants sont fabriqués avec du bambou et du papier. Il y a toutes sortes de cerfs-volants traditionnels en Malaisie. L'un d'entre eux est appelé le cerf-volant lune. Il est originaire de Kelantan. Le cerf-volant attrape-cœur, lui, est originaire de Kedah. Le cerf-volant chat est aussi connu sous le nom de Cat Kite. Il est originaire de Terengganu sur la côte est. Il y en a encore un, on l'appelle le cerf-volant feuille. Lui, il ne produit pas de son, il n'est pas décoré comme les autres, il a juste des dessins. L'histoire du cerf-volant est originaire de Kelantan.
Il est aussi venu du nord de la péninsule de Malaisie. On utilise le bambou pour fabriquer le cerf-volant parce que le bambou est très souple. Il peut plier et donc lorsqu'il y a un vent doux, il se déploie. Mais il est très résistant lorsqu'il y a un vent très fort. Et puis lorsqu'il tombe, il ne casse pas. Une fois l'armature réalisée, on a besoin de papier, toutes sortes de papiers. C'est un papier qu'on appelle papier maïs. Il y a aussi cette sorte de papier qui sert en fait de première couche et il est ensuite découpé pour définir le modèle final de ce cerf-volant. Pour qu'il devienne décoré comme ce cerf-volant-là, derrière, on a ensuite besoin de papier coloré. Il y en a des dorés, de couleur bleue, et toutes sortes de nuances de rouge. Bien évidemment, pour tous les passionnés comme Jamal, chaque cerf-volant possède une identité artistique. Mais le moment le plus émouvant reste celui du premier envol. Pour Jamal et ses amis, il suffit de faire quelques pas pour jouer avec les vents de la mousson. Les compétitions traditionnelles de cerf-volant sont classées en plusieurs catégories. On a à chaque fois besoin d'un jeu complet de cerf-volant traditionnel. Il faut un cerf-volant lune, un cerf-volant chat, un attrape-cœur et aussi un cerf-volant feuille. Le cerf-volant feuille, lui, est léger et on ne le fait voler que lorsqu'il y a très peu de vent. Normalement, on se sert plutôt de ce cerf-volant le matin. Avant de s'envoler, les cerfs-volants sont à chaque fois contrôlés par une personne qui mesure la longueur de leur fil. Elle doit être de 450 mètres. Ensuite, la hauteur de vol est, elle aussi, contrôlée, ainsi que la stabilité du cerf-volant dans le ciel. On juge aussi la qualité du son émis. Je fais voler des cerfs-volants parce que c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur et une réelle satisfaction. C'est aussi une discipline de tous les jours qui m'a donné confiance en moi. Faire voler des cerfs-volants m'a aussi apporté une forme de sérénité, car je peux sentir les sensations que procure le vent, ses bourrasques ou ses absences. J'en suis sûr, je pourrais motiver des jeunes qui pourraient par la suite se passionner pour la pratique du cerf-volant. Aujourd'hui, ils sont nombreux à rechercher une confiance en eux et une forme de sérénité. Faire voler des cerfs-volants, ça peut leur apporter ça. Quelques feuilles de papier, du bambou, un peu de vent et beaucoup de talent dessinent dans le ciel de Langkawi les formes du plaisir et du bonheur. Si les bords de mer, depuis quelques années, sont parsemés de quelques grands complexes hôteliers, l'intérieur de Langkawi est d'une rare beauté. La forêt tropicale est dense et le relief oblige le visiteur à pratiquer de longues marches. Hormis les jeux de mer, la randonnée pédestre est l'une des activités principales. Il est possible de partir plusieurs heures en pleine nature sans croiser la moindre humanité. Le plaisir de se rafraîchir au pied d'une des nombreuses cascades compense largement cette absence. À Langkawi, comme sur toutes les îles de l'archipel, qui veut s'isoler peut le faire sans problème. Il faut toutefois compter sur les habitants de la forêt que l'on peut croiser à tout moment. Ces singes sont des animaux sauvages, ils vivent dans leur milieu. Il faut rappeler qu'il est donc criminel de les nourrir de barres chocolatées ou de gomme à mâcher.
Les habitants de Langkawi connaissent bien leur forêt. C'est le cas de Bhaskaran Koshti, 34 ans. Il est né à Penang, une autre île du détroit de Malacca, mais vit à Langkawi avec sa famille depuis 3 ans. Bhaskaran est l'un des masseurs les plus réputés de Malaisie. Une partie de son travail consiste à trouver les bonnes herbes et les belles fleurs avec lesquelles il fabriquera ses huiles de massage. Aujourd'hui, après 14 ans de pratique, il possède son propre établissement, un endroit chic où les plus grandes personnalités de Malaisie viennent se faire masser. Ici, c'est le centre où je travaille. Vous pouvez voir tout un décor traditionnel. Je voulais vous montrer cet endroit où cette personne, mon assistante, est en train de masser. Il lui a fallu 6 mois d'apprentissage pour maîtriser l'art du massage. Je fabrique moi-même mes huiles avec des racines, des feuilles, des fleurs que j'ai cueillies. Bon, maintenant, vous allez voir l'endroit où je les fabrique. C'est ici que je fabrique toutes mes huiles. Là, vous pouvez voir, dans cette fiole, l'huile de noix de coco, qu'on utilise comme huile de base. Ensuite, on la mélange avec toutes ces huiles essentielles que j'extrais moi-même. Comme cette huile à base de clou de girofle. Et ici, l'huile d'eucalyptus. Faite à partir des feuilles et cette huile de citronnelle que j'ai cueillie tout à l'heure. Et cette huile qui est de l'huile de pandanus. Lorsqu'on la mélange aux autres huiles, dans les bonnes proportions, on obtient un mélange très odorant. Et ce mélange est excellent pour les massages de toutes les parties du corps, de la tête aux pieds. Je vais commencer mes préparations. Bhaskaran possède ses propres proportions de mélange qu'il souhaite garder secrètes. Pour cette raison, il n'a pas souhaité que nous les filmions. En règle générale, les massages traditionnels malais se pratiquent en famille, dans les villages ou sur les bords de plage. Ils sont relaxants, déstressants et préventifs. Échange d'énergie, ils soignent des douleurs spécifiques. Cet homme est chauffeur, il passe plusieurs heures par jour assis dans sa voiture. Il souffre d'une douleur dans le bas du dos. Bhaskaran lui a donné rendez-vous près de l'océan. Maintenant, je vais lui faire un massage relaxant avec cette huile que j'ai créée à partir d'un mélange d'huile d'amande, d'huile de pudina, d'eucalyptus et d'un mélange de citronnelle. Le tout pour relaxer l'ensemble de son corps. Le massage que je suis en train de lui faire est différent des massages qu'on pratique partout ailleurs. Pour ce massage, je commence par la tête et je redescends ensuite vers les orteils et les pieds. Il y a tout un tas de techniques de massage en Malaisie ou en Asie du Sud-Est. Mais à Langkawi, nous pratiquons cette technique particulière pour relaxer l'ensemble du corps. Maintenant, je vais aller vers le bas de son corps pour travailler la circulation de tout le système circulatoire de son corps. Et en général, il aboutit à ses extrémités. Mais pas seulement aux pieds, mais aussi aux doigts et aux oreilles. Lorsqu'on masse les différentes zones des pieds, on procure un soin naturel. Si on observe cette partie,
sur la plante de chaque pied, on peut voir représenter plusieurs parties du corps, la tête, le tronc et les pieds. Maintenant, je vais approfondir mon massage pour motiver ces réflexes. Premièrement, au début, on commence avec les orteils. Une partie du pied qui permet de réactiver et remettre en place la circulation sanguine dans sa tête. Et pour la circulation de son système cérébral. Et de tout le reste de son corps. Car en général, le cerveau joue un rôle important pour la circulation sanguine. En général, c'est bon pour établir une bonne circulation du sang dans tout le corps et surtout aux endroits où on a mal. Imaginez, si on a mal à la tête, si on veut se faire masser la tête, il faut bien comprendre qu'il y a comme un échange d'énergie positive entre la personne qui fait le massage et celle qui reçoit ce massage. Cet échange est aussi essentiel pour la personne qui fait le massage. Elle doit comprendre, pour faire un bon massage, qu'il est absolument nécessaire d'avoir cet échange positif à ce moment-là. C'est très important d'être positif. Bien dans sa peau, bien dans sa tête, nul doute que la beauté de l'Ankawi participe, à sa façon, au bien-être général. Il suffit de se rendre à Koua, la petite capitale de l'Ankawi, pour comprendre que tout va très vite ici. Il y a seulement quelques années, cette ville n'était qu'un petit port, un village. Aujourd'hui, des avions venus de Kuala Lumpur déchargent des milliers de Malaisiens chaque week-end. Les prix des taxis font de Koua une zone franche, un immense duty-free. Cette manne financière a attiré à Koua une grande partie des 50 000 habitants qui résidaient auparavant sur l'île. Sous l'impulsion du Premier ministre, la ville possède de très jolis jardins près de la jetée d'où partent les ferries. Sous la chaleur brûlante de ce début d'après-midi, de longues allées pavées de marbre coloré mènent le visiteur au pied de l'emblème de l'île. Quelques kilomètres de là, à Kedawan, sous la même chaleur écrasante, Jamil bin Hashim, 39 ans, se rend chez un marchand pour acquérir une balle très particulière. Assalamualaikum tuan. Apa bang? Nak tengok sepak beli sepak takraw. Sepak takraw ini berasal daripada sepak raga. Le sepak takraw s'appelait à l'origine sepak raga. C'était le nom utilisé par les anciens, et après c'est devenu le sepak takraw. Ce sport est très apprécié des Malais depuis l'époque de Malacca. Avant, la balle était fabriquée avec du rotin, mais maintenant on utilise du plastique. C'est un sport connu mondialement, et la Malaisie est l'un des pays les plus compétitifs après la Thaïlande. Jamil est professeur de malais et de dessin à l'école nationale secondaire de Kedawan. Parmi les 500 élèves, une vingtaine suit des cours particuliers avec Jamil, des cours de sepak takraw. Jamil joue depuis plus de 15 ans. Il est l'entraîneur officiel de l'équipe de l'école. Vous êtes prêts? La compétition de sepak takraw va commencer. Tekong, va faire le service. Commencez maintenant. Changez.
La balle change de camp. Service à l'autre équipe. 0 à 0. Mata. Point. 1-0. Ce sport, le sepak takraw, est depuis longtemps un sport asiatique. Si on regarde l'histoire de Malacca, qui a commencé vers 1400 et quelques, les Malais, depuis ce sultanat de Malacca jusqu'au sultan Mansur Shah, jouaient déjà à ce sport, qu'on appelait alors sepak raga, mais on jouait sur un terrain en forme de cercle. L'histoire raconte qu'un jour, un sultan se promenait, il y avait des Malais qui jouaient au sepak takraw sur son passage, ça lui a plu, et il a décidé que le sepak takraw devait être pratiqué partout dans les autres États qui formaient alors l'ensemble de la Malaisie. Le sepak takraw n'est pas pratiqué qu'en Malaisie, mais aussi en Thaïlande, en Indonésie, au Brunei et pratiquement dans toute l'Asie. Maintenant, le sepak takraw est apprécié et connu mondialement, et beaucoup de pays sont intéressés par son apprentissage. Cet engouement a commencé quand tous les pays asiatiques en ont fait une compétition internationale. Ce sport est pratiqué avec passion par toutes les couches de la population, que ce soit en amateur, en semi-professionnel ou pour les plus doués en professionnel. Le sepak takraw est l'un des sports les plus pratiqués en Asie et de nombreux jeunes le pratiquent comme ici dans le milieu scolaire. Pour le règlement de ce sport, il y a plusieurs règles que l'on doit respecter. Ce sport, le sepak takraw, autorise seulement d'utiliser les pieds, les jambes, les cuisses, les épaules, la tête et le torse. Mais on ne peut pas se servir des bras, c'est éliminatoire. La deuxième règle, si la balle ne passe pas au-dessus du filet, le point est accordé à l'équipe adverse. Et puis les joueurs ne peuvent pas toucher les filets ou les poteaux et les lignes au sol. Si l'un des joueurs touche l'une de ces choses, il fait faute et l'adversaire marque un point. Les joueurs ne peuvent pas non plus toucher cette ligne pendant le service. Mais après le service, et lorsque la balle est chez l'adversaire, les joueurs peuvent aller librement. Regardez, ils ne peuvent pas toucher la ligne. Mereka juga tidak boleh menggunakan kaki lebih daripada sini, daripada garisan ini, jika tidak dikira batal. Les points sont comptés différemment. Avant, on devait arriver à 15. Maintenant, ça a changé. On joue comme au ping-pong, en 21. Les entraînements de sepak takraw ont lieu tous les jours de la semaine, sauf le vendredi et le samedi. Ancien joueur de haut niveau, Jamil n'hésite jamais à donner l'exemple. Voici les étudiants de l'école Kedawan. Imaginez, en ce moment ils ont 13-14 ans. Lorsqu'ils seront adultes, ils représenteront le pays dans les compétitions internationales de sepak takraw et ils battront toutes les autres équipes. Je les entraînerai jusqu'à ce que quelqu'un d'autre reprenne la suite. Les paysages grandioses de Langkawi ont inspiré bien des artistes. Ils ont servi de décor à des films internationaux et commencent à attirer des voyageurs du monde entier. Espérons que ce succès ne devienne pas un problème. Quoi qu'il arrive, lorsque le soir tombe sur le détroit de Malacca, l'île de Langkawi met son costume de lumière. Alors, dans les villages, les anciens se souviennent et racontent aux plus jeunes les légendes du passé.